Oya ye tulibe na muntu Nazai wabalenge laba kushinda diminu Oya ye tulibe na muntu Yalele ninja kusenga kasai wabalenge Kasai wabalenge la tulibe na muntu Nazai wabalenge laba kushinda diminu Oya ye tulibe na muntu Tulaburka na ngamalandi wa shina Oya ye tulibe na muntu Mujimai divindi wa kumbilanji Oya ye tulibe na muntu Kasai wabalenge la kasai wabalenge Kasai wabalenge la tulibe na muntu Kasai wabalenge la bagushinda diminu Oya ye tulibe na muntu Kalonji kamu kuna neka chibanda Oya ye tulibe na muntu Makungoya marenga newe mundwana Oya ye tulibe na muntu Andanjika ya bilomu nebe na tubeya Oya ye tulibe na muntu Nenube na chinena nebe na kwamba Oya ye tulibe na muntu Itaka vya milemba ne mwena mkola Oya ye tulibe na muntu Kaseki wa mulogumbu nebe na puja Oya ye tulibe na muntu Kasai wabalenge la kasai wabalenge la Teleja etu nondila tulibe na muntu Kasai wabalenge la bakushinta diminu Si même le gouvernement était le système était là Chez le Banande, il y a une certaine solidarité. Même si vous entendez, il y a moi ici, tout ça, les gens se divisent, mais il y a une certaine solidarité, de façon que les gens peuvent se dire que nous allons y aller parce que c'est l'intérêt communautaire. C'est tout. Mais la différence maintenant avec le Kasaïen d'aujourd'hui, c'est que cet intérêt communautaire étaient plantés comme des intérêts individualistes, qui fait que même le président actuel, vous allez voir les Kasaïens qui ne sont pas unis pour élever le président lui-même. Je ne pense, je ne sais pas, vous êtes les Kasaïens ici et vous connaissez mieux l'entourage du président de la République. Dans le même entourage, les Kasaïens ne sont pas unis. Je ne sais pas si je me trompe. Pour qu'ils puissent dire que non, mon conduit à Wandeza. Ils sont intimidés. On vous a dit ici. L'unité a été détruite depuis des années, des années. On nous a tellement intimidés qu'on dirait qu'en public, je ne veux pas parler à mon frère. Parce qu'on va dire qu'on est pas. Même si elle va parler la langue de Tchouba ici. Oui. C'est le meilleur des Kasaïens qui ne peuvent pas parler de Tchouba à Tchouba. Parce que si vous parlez de Tchouba entre vous, là, à Mouyoki. Nous restons avec une thématique. Maman, vous nous avez. On doit proposer les solutions. Oui, les solutions, c'est quoi? Je ne crois pas que le papa avait terminé. Papa n'a pas terminé. Ah oui, ok. Non, je reviens toujours à dire qu'il fallait inviter un peu des sociologues, des historiens. On a déjà là, ici, des gens de droit. On allait avoir une bonne discussion ici. Je reviens toujours à l'histoire, puisque quand vous allez à gauche, à droite, il faut connaître l'histoire. L'histoire est importante. J'étais surpris, je vous laisse faire le commentaire. Oui. J'étais surpris dans ce pays. Oui. J'étais ici, j'aime. La manière dont moi j'ai connu le Michel, c'est la suivante de Dieu. Kabila est au pouvoir, le petit Kabila est ici, il est au pouvoir. Il y a une chaîne belge là, c'est lui Michel qui parle. Il dit que ce soit Kabila, que ce soit Tshisekedi, Tshisekedi les vieux, c'est la même chose. J'ai failli me couler, j'ai dit, comment il peut dire des choses comme ça? C'est à ce moment-là que moi j'ai connu le Michel. Là, j'ai rejoint maman qui dit que cette histoire, c'est un trucage qui vient de l'extérieur. Ça vient de l'extérieur, ça c'est absolument correct, ça vient de l'extérieur. Comment on peut comparer les sphinx avec ce petit garçon là, dire que ce soit lui au pouvoir, que ce soit ce qu'il dit, c'est la même chose. Ça, c'est à renverser le monde. Impensable. Bon, si je reviens encore à cette histoire de Chitkatet, Mobutu avait déjà décidé que lui vivant, plus jamais de Chitkatet. Bon, Mabi Mulumba était premier ministre et même ministre au plan, il ne pouvait rien faire. Mobutu a dit, c'est quoi un premier ministre? Moi, c'est Mobutu qui décide. Moi, Mulumba ne pouvait même rien faire.
Et puis, on parle des Kassaïens qui n'ont pas construit chez eux. Tout était mis en œuvre pour que les gens ne construisent pas chez eux. Moi, je suis un enfant de commerçant. À peine vous commencez une fondation ici, vous devez justifier vos ressources. Vous devez justifier vos ressources. Vous n'avez pas un travail, vous n'êtes pas un ministre, vous êtes un diamantaire, alors on vous arrête. Maintenant, moi, mon grand frère, malheureusement, place son âme, il est allé à Kinshasa. Il a commencé à construire là-bas. Et ses autres amis qui venaient de Mouchouma et tout ça, ils ont construit là-bas. Il dit, mais ici, moi je crois qu'il faut que les enfants y vivent là-bas. Il a construit, personne n'est même venu demander, vous avez eu des fonds. Bon, pour essayer un peu d'aller un peu, de faire un compas, parce que nous sommes à 17h30 maintenant, il va nous rester, je crois, 30 minutes. Maman, vous pouvez nous parler. Je m'excuse. Hein? Non, non, c'est bien. Moi, ouais. Je souhaite, même l'histoire des fonctions publiques ici, Mobutu, moi, j'ai vu même le ministre là. C'était Tita Chisambo. À ce moment-là, j'étais à l'Équateur. Tita Chisambo, comme on a dit ici, quand on vous prend, vous êtes ministre. Ce sont les autres intellectuels que vous allez vous faire entourer d'eux. Ce n'est pas que quelqu'un là vient postuler, vous ne le connaissez pas. Mon frère là a bien dit les choses. Vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez même pas le téléphoner. Tandis que Gabriel vient avec son frère, c'est un licencié en économie. Et voir vous, vous avez besoin d'un licencié. Vous prenez celui que vous avez vu. Bon, et mais vous êtes sur ce point. Oui, sur ce point-là, moi je peux ajouter qu'il y a un problème chez nous. C'est que nous n'avons pas mis des critères. Nous n'avons pas mis les sous-bassements sur lesquels nous devons travailler. Si nous devons nous baser sur les gens que nous connaissons, alors nous allons tomber dans le tribalisme. Non, c'est comme ça que vous dites que non, parce que les gens doivent se connaître. Il doit y avoir quelque chose qui... les profils. Nous devons mettre les profils. Nous devons nous mettre d'accord. Oui. Excusez, hein, parce que le temps est pas... Je donne un petit exemple. Le fait qu'on y voit une fonction publique là. Par exemple, dans le système judiciaire, vous savez qu'il y a combien des avocats. Mais oui, j'ai dit ceci. Des bâtonniers, Kassaïens, il y a partout. Non, et écoutez. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver d'autres tribus ou d'autres gens. Voici le problème. Comment ça se pose, hein? Le problème se pose au niveau de mettre des règles de jeu. C'est ça que nous devons définir. Oui. Nous ne devons pas évoluer sur la bonne volonté où je connais celui-ci. Vous êtes ici en Afrique du Sud. Si on vous connaissait, donc vous allez avoir l'emploi. Mais on dit, nous cherchons un avocat. Voici les critères que nous devons mettre en place. Mais c'est tout. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ça y est, ça y est. Dans ces critères-là, je trouve mon frère à ces critères. Je ne sais pas ce qu'il est. Vous allez trouver que. C'est pour ça que j'ai donné un exemple dans le système d'ordre judiciaire. Vous allez trouver que c'est la plupart sont des Kassaïens. Les bâtonniers sont des Kassaïens. Maintenant, quand vous donnez les critères, ils vont faire. Ils sont des Kassaïens. Ils vont se retrouver dans la majorité. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Mais écoutez, la Constitution a dit ceci. La Constitution a dit ceci, tenons compte de nos régions, de nos cultures et tout ça. Mais la géopolitique. Mais si vous voyez par exemple que non, vous êtes beaucoup, cherchez dans notre province, qu'est-ce qui empêcherait? Non, c'est ce que la Constitution nous interdit par exemple de nous entourer de 50 personnes de mon tribu. Ça s'applique seulement quand il s'agit de Kassaïens. Non, c'est comme ça que je dis. Nous ne respectons pas les règles de jeu. Chez nous, les enfants, c'est de la richesse. Et nous en avons assez. C'est-à-dire, nous avons. Bon, nous allons conclure ça. Pourquoi conclure, hein? Donner la conclusion, comme ça nous passons à maman. Vous avez dit que le verbe de l'interview, vous savez, quand il y avait conférence nationale sur. Si nous allons faire les statistiques, 60% ce sont des Kassaïens, mais venaient de toutes les provinces. Vous savez pourquoi? Puisque pendant que les autres étudient, les autres n'étudient pas. Mais on a besoin de l'intellectuel. Maintenant, vous allez dire que nous allons prendre le géopolitique. Vous allez prendre quelqu'un qui n'a pas la connaissance
Non, ce n'est pas dit comme ça. Mais ce n'est pas dit comme ça. Non, mais non, nous, nous disons ceci. Quand on tient compte, lorsqu'on tient compte des régions et des tribus. 60% c'était des Kassaïens, mais venaient des différents. Non, écoutez, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui au Parlement, oui. Les femmes sont en train de se battre en disant que non, nous devons respecter la Constitution. Oui. Hein? Mmh. Donc moitié-moitié. Oui. Vous devez chercher. Vous devez chercher dans ce groupe-là. Non, non. On dit que les femmes, vous devez faire un effort à vous représenter. Voici vos sites. Je vais vous donner un exemple ici en Afrique. Vous allez demander, je vais vous dire dans la région. Non. Parce que la plupart des pasteurs maintenant sont des Kassaïens. Non, pas ça. Vous allez demander à Dieu. Il faut choisir aussi d'autres tribus. Non, Gilbert, je vais vous donner un exemple d'ici où nous sommes. Ici à Alberton. Vous connaissez Deboma? Yeah, bon. Il y a eu, ça a pris le feu, n'est-ce pas? Non, on avait tué quelqu'un là-bas. Et on avait tué des boxeurs là. Et puis il y a le feu. Mais bon, moi, aujourd'hui, moi je suis sur ce dossier-là et je fais des reportages sur ce dossier-là. Le gouvernement sud-africain, disons le Ekurhuleni, a dit jamais plus un blanc va gérer cette place-là. C'est comme ça que Deboma est resté comme ça pendant, je crois, maintenant nous sommes à la cinquième année. Même dans toutes les autres communes. Hein, on a dit, cette place ici, jamais plus un blanc ou bien un bourreau de la couleur blanche ne gérera plus ici. On est en train de chercher un noir. Et maintenant, vous avez fait 5 ans. Non. C'est non, non, c'est pour vous dire quoi. Non, c'est pour vous dire quoi. On a stoppé 5 ans. Non, c'est pour vous dire. Non, non, je vous dis ceci. Pendant ce temps-là. Les institutions ne fonctionnent pas. Non, non, ce n'est pas comme ça. Je vous dis ceci. Maintenant, là, des bombes sont restées. Il y a eu moins de criminalité à Alberton. La vente de drogue qui se faisait tout aux alentours là-bas a chuté. Et les Noirs maintenant, c'est ça. Il y a des conditions maintenant qu'il faut remplir pour aller là-bas. Il y a un gars maintenant, je crois, de KwaZulu-Natal qui a appelé et qu'on lui a donné et qu'il a mis un restaurant là-bas. Mais il n'est pas capable. Oui. Donc, pour vous dire que nous n'avons pas mis les règles et que ces règles-là, nous ne les respectons pas. Si par exemple dans la géopolitique on n'arrive pas à faire ça, ça crée des frustrations dans les communautés. Et nous retombons dans cette histoire-là. Il faut une certaine fermeté dans nos gouvernements, je pense, dans nos gouvernements à se dire par exemple Bandeko, tribalisme, Oyo, Awa, Bolu, Kabatu. Vous pouvez me dire que chez les Banande, il n'y a pas des intellectuels. Vous allez me dire que chez les Babes, à Maniema, il n'y a pas des intellectuels. Il n'y a que les Balouba qui ont étudié au Congo. Mais qu'ils aient ce courage-là. Effectivement, mais si les règles sont bien. Si les règles sont bien définies. C'est comme si nous avons commencé. Vous parlez toujours de la politique, ce qui dirige. Maintenant, à la fin, vous parlez de l'histoire des bananes, il n'y a pas de. C'est pour dire que les gouvernements, il y a seulement les Balouba. Non, 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 je ne conclue pas ça. J'ai dit ceci, les règles ne sont pas respectées. Au Parlement, même si on dit, non, bon, voici. Le problème qui se pose pour le moment, vous avez demandé des solutions. Des solutions, vous avez donné une partie des solutions, il y a d'autres personnes qui peuvent poser. Alors, moi, ma proposition, c'est quoi? La proposition est simple. Si on arrive à développer toutes les provinces, les gens font à se déplacer. Ça, c'est un. En plus de cela, qu'on puisse supprimer les histoires d'un dirigeant, par exemple un gouverneur d'une province comme à l'époque de Mobutu. Donc, toutes les autorités d'une province, au moins 20% peut-être qu'autorités, 80% doit venir d'ailleurs. Ok. Donc, on va passer à d'autres thématiques, maman. Oui. Nous vous donnons, maman. Nous proposons les solutions. Moi, ouais. Je reviens toujours à la chute qu'elle. Il faut aussi vous rappeler que la chute 4 avait été totalement financée par l'extérieur, le gouvernement belge,
à l'époque. C'est cet argent-là qui a fait des problèmes entre les politiciens kassaïens tout autour de Mobutu. Et puis, après ça... Kassaïens, parce que le projet était des kassaïens. Le projet était des kassaïens. Il y avait un projet à l'État. Oui, mais qui avait initié ça? Qui avait initié ça? C'était les kassaïens. Et puis, n'est-ce pas les Kassaïens qui ont initié ce projet-là, ils ont mis ça sur la table. Mon frère, je crois que le problème est aussi que les noms de ces gens. Après, après ça, puisqu'on est entre nous, c'est ce que nous voulons. Okay. Aussi, on voit quand on a parlé, qu'il y a telle personne, telle personne. Ils se connaissent et ils sont en train de se battre. Non, ils ont cité les noms, okay. Puisque il faut savoir de parler des Kassaïens, c'est vague. Solution. Il y a une retraite parmi les Kassaïens, ça c'est sûr. Il y a une retraite. Mais après ça, après que les Belges. L'argent des Belges est disparu. L'archevêché de Canada a voulu financer aussi le truc Mobutu a dit niet. Okay. Et puis, les politiciens de Kassaï ont dit il veut électrifier son village natal. Solution. Oui, solution. Mon frère, l'émir, puisque nous sommes en train de payer conséquences de d'autres personnes, nous avons besoin de connaître les noms de ces gens-là. Puisque nous, on est dans le nom de frère, là, si vous citez le nom de telle personne, il ne faut même pas citer. Je vais l'envoyer dans le groupe. Nous sommes qui nous ont dit. Même le. Ce qu'on n'arrive pas à citer, puisque. Le voice de tous ces grands-là. Parce que c'est devenu comment? Bah ouais. Tu as parlé avec Germain. Tu viens parler avec ceci. Ok, je vais l'appeler. Et il m'appelle, j'enregistre. J'ai des documents. Quand vous écoutez, vous vous dites que c'est pas possible. Non, mon frère, il faut connaître. Nous sommes là pour citer les gens. La solution est que les gens puissent faire des cigares. Mais nous, on va faire des cigares. On ne va pas les attaquer. Mais vous allez tuer tout le monde. La région, ce n'est pas. Ok, solution, maman, allez-y. Vous avez 10 minutes. Solution. Nous, on ne peut pas subir les conséquences de d'autres personnes non plus. On y va, mon. Solution inspirée par l'expérience des Sud-Africains. Nous avons vu que quand l'ANC a pris le pouvoir, ils ont mis en place la stratégie de affirmative action pour corriger les erreurs du passé. Au Congo, j'ai appris qu'il y a le plan de lutte contre la pauvreté et de corriger les inégalités sociales. Nous voulons que ça soit fait. Comment ? Nous demandons que tout le Grand Kassai soit une zone économique spéciale. Je crois que les économistes vont détailler ce que ça veut dire. Puisque c'est par volonté politique qu'on a opprimé et sous-développé le Kassai, il faut que ça soit encore par volonté politique qu'on renverse ça. Qu'on réhabilite le Grand Kassai. On ne peut pas intimider, ça on est mon Congo, intimider le président pour qu'il ne fasse pas du spécial au Kassai parce qu'on va dire qu'il est tribaliste. Non. C'est ce qu'on a fait en Afrique du Sud. Il doit en tout cas corriger ces inégalités-là. Quelque chose de spécial doit être fait. Okay. De la même façon que la République a réagi quand il y a eu éruption du volcan à Goma, de la même façon, le gouvernement et la République doivent s'agiter pour les désastres qui est en train de se passer avec les Kassaïens, qui vont dans les trains marchandises, des raillements qui meurent. Bien fait. On ne fait rien, on dit que non, il n'y a pas de désastre naturel. Non, on doit déclarer cette zone-là, le Grand Kassai, zone sinistrée. C'est une zone sinistrée. On doit en faire une zone économique spéciale. Ah, ça veut dire qu'il y a des faveurs pour ceux qui veulent aller faire des histoires là-bas. À tout prix, on doit nous faire la chute Katembe. On est en train de faire des petites histoires à côté, c'est juste pour éclairer les maisons. Ce n'est pas pour des industries. Le courant électrique qui va permettre les grosses industries là-bas, c'est la chute Katembe. Parce qu'on a déjà envoyé 3 wagons, on doit envoyer le reste. Notre frère a essayé d'expliquer ici que le problème, ce n'est même pas le gouvernement central, c'est la SNCC.
c'est une question d'argent. Comment est-ce que ça peut être une question d'argent dans un pays où on détourne les millions du matin au soir? Par des individus. En tout cas, nous nous demandons à ce gouvernement de Warrior, nous demandons au président Tshisekedi, ce mandat, il aura un deuxième mandat sûrement, mais ce premier mandat ne peut pas s'achever. Amen. Avant que les travaux de chute cathédrale ne soient réhabilités. Ok. À partir, je veux dire que nous nous avons fait. Nous applaudissons, mais madame, je vais ajouter, nous nous avons fait notre travail. Je vais vous relancer. Oui, pardon. Nous donnons les solutions. Vous donnez aussi la solution. La solution. Oui. Nous voyons cette volonté du gouvernement de faire quelque chose. Le Kassai n'est pas plus que la misère qui se passe à Abidjan. La solution que le président, je crois qu'il se soit inspiré à ce que nous faisons ici, le projet de 145 territoires. Parce que là, on met le peuple ensemble. Nous avons parlé ici des gens de se mettre ensemble. Nous l'avions constaté. Ça, ce sont les solutions que nous nous sommes dit. Ce n'est pas le projet, on va faire ceci. On met les gens ensemble. On dit, voici votre région. Pensez comment vous pouvez les développer. Ça, c'est bien. Voici comment est-ce que vous allez, au lieu de prendre les choses telles qu'ils l'ont fait, parce qu'on a dribblé le président, on dit non, nous allons aller construire les ponts et tout ça, nous allons retomber à ce que dans le même système où le barrage ne sera pas construit, commandité par Kinshasa. Mais si on dit aux Kassaïens, voici votre grand Kassaï, vous examinez le problème, vous trouvez des solutions et le gouvernement vous appuie. Justement, parce que nous avons déjà fait ça. Je vous disais que nous avons déjà fait le homework. Le plan de développement du Grand Kassai existe. Et donc, s'il est inclus dans le programme de 145 territoires, dans cette... Non, il n'est pas inclus. Comment il va être inclus? Parce que si vous cherchez à approcher ces gens-là, ils vont votre projet. Ils n'ont pas associé la société civile dans le planning. Nous ne sommes pas là. Ils se sont décidés qu'est-ce qu'ils vont faire eux-mêmes. Il parle des écoles, il parle des hôpitaux. Nous refusons. C'est ça que le Grand Kassai a besoin pour son développement. Nous refusons. Donc, vous êtes pour le développement des 145 territoires, mais incluant les gens des territoires. Les besoins. Qui vont se. Le besoin du point. Oui. Ils n'ont pas les mêmes besoins et les gens. Oui, donc, les gens du Kassai peuvent se mettre ensemble en disant nous. Voici nos urgences. Nous allons faire ceci. Et comme je vous dis là, c'est déjà fait. Mais la diaspora kassaïenne a le plan de développement de l'espace Grand Kassai. Il faut tout simplement. Donc, ils doivent nous associer à ce projet de développement à partir de la base. Parce que nous avons les projets, les gens sont engagés. Ils ne peuvent pas nous faire. Il faut croire à l'extérieur comme si nous, on ne réfléchissait pas. Comme si c'est aujourd'hui qu'on doit aller chercher des projets. Ce n'est pas vrai. Les projets existent. Ils doivent associer les... Moi, je parle de la diaspora parce que nous sommes à l'extérieur et nous avons fait quelque chose. Nous avons essayé de les amener au gouvernement. Et les projets ont été volés. On a essayé de faire et ça a floppé parce que quand tu voles l'idée de quelqu'un, tu ne peux pas implémenter. Exactement. C'est ce que nous parlons ici, par exemple, lorsqu'on parlait du développement de 145 territoires. Depuis 2019, nous avions crié qu'il faudrait qu'il y ait le développement de la base. Et ce que nous avions dit, c'est qu'il fallait inclure les Kassaïens, vous les mettez ensemble. Et c'est là où nous aurons cette solution où les gens vont faire les cérémonies tribaux pour se mettre ensemble et reconstruire. Mais si vous prenez tout, vous prenez tout, vous dites que non, c'est nous les Kassaïens de Kinshasa qui vont faire ceci. Là, ça n'ira pas. Vous n'incluez pas le peuple. Ils vont construire les écoles. Qui vont aller aux écoles? Pire, ils vont construire les bureaux des administrations. Qui va travailler là-bas? Avec une école de 1 million. On va modifier. Nous refusons ça. Est-ce que le développement se trouve dans les constructions des immeubles ou bien des ponts ou bien des routes? Je pense. Est-ce que le développement, ce n'est pas par exemple cette union de ce peuple-là en se disant. Nous devons faire la paix, nous devons être ensemble pour amener un projet que nous allons protéger.
je pense, je voulais dire ceci. Si nous pouvons demander à ces gens-là combien coûte chaque projet pour chaque territoire, je ne sais pas c'est combien de millions. Ils ont dit qu'ils vont donner 10 millions. 10 millions pour chaque territoire. Pour chaque territoire. Mm. Mais je pense bien qu'ils doivent demander quelles sont les urgences de chaque territoire. Mm. Chaque territoire. Mm. Et demander à chaque province quels sont vos besoins que vous vouliez. Alors mettre l'argent dans ça. C'est là un... ça va même alléger le cœur des gens qui habitent. Parce que ça, sinon, on nous a fait ce que nous. Cela implique. Cela implique. De mettre le peuple kassaïen, le peuple nandé, le peuple des associés. C'est comme ça qu'on a dit que le problème du Congo est un problème global. Ce n'est pas tout simplement le kassaïen. Même au bas Congo. Ça, est-ce que ça, ce n'est pas juste un sourire? Parce que quand on a commencé, tout ce temps qu'on était en train de parler, on a quand même reconnu que cette volonté politique n'existait pas. Maintenant que nous sommes en train de donner des solutions, comme par magie, on sous-entend qu'il y a une volonté politique, il faut juste leur parler. Ouais. Vous allez parler à qui? Parce que cette volonté politique n'existe pas. Non. Maintenant, s'il faudrait que nous puissions parler, est-ce qu'il y a moyen de contextualiser cela? Parce qu'il n'y a pas moyen de penser qu'on va juste dire demain, vous devez nous consulter, vous devez venir vers nous, nous voulons savoir ce qu'on dit et nous voulons être là. Non, il faut avoir un mécanisme pour se faire inviter à la table. Pour que nous puissions imposer maintenant une solution. Parce que quand vous dites que non, nous voulons que nous sommes des Kassaïens et nous voulons que les choses se passent, vous devez nous consulter. Qui va vous consulter? Parce qu'au départ, déjà, ils n'ont pas la volonté de vous consulter. Non. Et s'ils avaient cette volonté, ils devaient déjà vous consulter tout ce temps. Non. Et s'ils n'ont jamais fait ça depuis jusqu'aujourd'hui, vous restez avec un chapelet de souffle. Quand on parle de la voix du peuple, c'est ce que nous sommes en train de faire. Non, mais en parlant, ils sauront qu'ils ont. Donc, ce qu'on a pas fait, c'est qu'il y a. Quand nous avons dit, madame a dit, le développement à la base, et que nos dirigeants actuels pensent que le développement, c'est à Kinshasa, vous savez qu'à Boutembo, on dit que la paix ne viendra jamais de Kinshasa. Permettez que je vous coupe. Je vous dis, je m'attends. Permettez. Il y a un problème. Le Congo. C'est pas ici en Afrique du Sud. Et pendant que nous sommes en train de résoudre ici en Afrique du Sud, nous devons aussi être en connivence aussi avec ceux qui sont sur le terrain chez nous. Nous devons savoir qui est maintenant notre interlocuteur. Mais nous devons avoir un mécanisme parce qu'on ne peut pas compter sur la bonne foi de ces gens-là parce qu'ils n'en ont pas. Maintenant, si nous sommes à l'extérieur, pendant qu'on est en train de parler de 645 développements au niveau des secteurs. Qu'est-ce que nous faisons pour s'inviter? Parce que si nous attendons l'invitation, ça n'est pas. Quel est le mécanisme que nous devons mettre ensemble avec les gens qui sont sur le terrain? Par exemple, quel est le mécanisme que vous pouvez... Non, je me pose une question parce que quand j'entends dans ce que vous donnez comme solution, on sous-entend comme si les politiques, ils ont la volonté de faire quelque chose. Non, écoutez, vous aviez entendu parler du développement de 145 territoires, s'inviter... Comme ça, les gens ne savaient pas d'où c'est venu. C'est parce qu'il y a eu quelque part, les gens ont dit, le développement de notre pays, la solution de notre pays ne peut pas être une solution séparée, ramassée par-ci, par-là. Le Congo est grand et nous devons en tenir compte. Kinshasa ne tient pas compte de Moulouba qui est à Mbujimayi. Et c'est ça le problème. Le Congolais, le Moulouba qui est au pouvoir, il ne veut pas. L'exemple typique, lorsqu'on a envoyé le conseiller pour aller construire l'école là-bas, les gens ont fait tout simplement aller chanter comment ça a poussé. Mais ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passait. Mais nous, ici, nous avions commencé à dire déjà, le développement des 145 territoires, c'est de réunir le peuple dans leur milieu. Dans les 145 territoires, dites-le. Vous avez 10 millions de dollars, vous les Balouba, regardez ce qui est la première des choses à faire chez vous. La priorité, vous allez vous mettre ensemble. Qui définit les priorités? C'est ce qu'on ok, la question, la réponse est celle-ci. Mais cette communauté n'est pas prise en compte parce qu'ils viennent de dire qu'ils descendent, ils commencent à construire, ils ne construisent pas. Voilà. Toi, c'est lui qui arrive. Voilà le mécanisme que nous. Je vais répondre à ta question. Il y a un problème.
Vous savez, quand vous roulez votre voiture ici à l'extérieur, ce qui vous fait peur, ce n'est pas moi. Ce sont combien de gens que vous allez rencontrer qui sont en train de dormir dans la rue. C'est ce qui vous fait peur. Vous vous dites que si jamais je n'arrive pas à bien planifier ma vie, je vais vivre comme ces gens-là. Ok. Le planning était celui-ci. Mais vous nous donnez oui, pas non, le planning non. Était celui-ci. Lorsqu'on a construit ce problème-là, le projet. Non, je veux vous expliquer. Chacun peut donner son piste de Lorsqu'on a conçu ce projet-là, on a dit ceci. Il y a un problème qui se passe à la base, historique, et que nous devons résoudre ce problème qu'on a évoqué ici, le plan et tout ça. Mais nous avons un problème sur table que nous devons résoudre. Et ce problème-là, c'est le développement. Le développement doit commencer à la base. La base doit être incluse. Pour construire un pont, il faut que les choses continuent soient là. Alors le plan était celui-ci. Il ne faut pas aller avec des projets de construction, des écoles ou quoi que ce soit. Le projet, c'est de réunir les notables et tout le monde qui sont concernés à la base dans les 145 territoires. Et tout le monde se connaisse. Tout le monde se connaisse. Nous, on avait prévu à ce qu'on fasse des états de lieux de province, de territoire, qui réuniront les tribus, tous les tribus, les Gorja, tous les tribus, ensemble, vont se mettre d'accord à ce visa. Voici le problème. Le premier grand projet que nous allons faire, c'est le barrage Katéli. Dans les 10 millions qu'on va nous donner. Je ne sais pas, on compte sur la bonne foi de qui. Non, non, c'est ce que j'ai dit. Donc, si les Kassaïens, si tout le monde déjà, au niveau de la base, peut se réunir autour d'un montant qui savent que non. Ça, c'est un montant. C'est pas avec un sifflet. On ne leur a pas demandé ça. Ils ont déjà commencé le processus. On a entendu, oh, le gouverneur était invité à Kinshasa. Ce n'est pas un sifflet. Et puis, par après, on a entendu, oh, je ne sais que. Il faut qu'il y ait un mécanisme. Il faudrait mettre quelque chose sur le plan et créer le momentum et pour que nous puissions s'inviter sur la table. Mais quand vous dites que non. C'est ce que j'ai dit. Je pose comme question. C'est considéré en parlant, on va créer le momentum. En parlant comme ça, le momentum est. Entre temps, nous sommes en train de parler avec les gens qui sont chez nous. Papa, c'est. Qui sont chez nous. Je peux aussi proposer ça. Oui, oui. Ok, pour moi. Pour nous, de l'association qui représente une portion de la pensée des Kassaïens, dans Kabbalah et Grand Kassaï, ce que nous demandons au gouvernement, c'est ce que le peuple ne peut pas faire. Ce que le peuple peut faire, nous allons le faire nous-mêmes. Entre autres, c'est quoi? On ne peut pas nous accuser de descendre à Katanga au moment où l'étang est là. Vous fermez partout, vous laissez ici les sorties Morga. Maïe, on s'est dirigé vers Abuna. Nous voulons notre désenclavement. Nous voulons que Kassaï soit désenclavé. Par désenclavement, je donne ces propositions ici. Si la route coûte cher, je ne passe pas entre chemin de fer et route asphaltée, qu'est-ce qui coûte cher? Pour nous désenclaver à partir de la frontière de Kalambambouche. La frontière de Kalambambouche, c'est une frontière très très stratégique pour le développement de l'espace Grand Kassaï. Pourquoi? Cette frontière-là nous met en contact avec l'Afrique australe. Vous savez combien de pays sont dans l'Afrique australe, avec qui les Kassaïens nous allons faire les traites? Angola, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Botswana, Afrique du Sud. J'ai pas acheté mon véhicule ici, rouler petit à petit, dans la Nzelanda, Munda, Mouti, la côté Panamis. Vous voyez un peu? Même train, très peu possible. Pourquoi ne pas faire train à partir de la Mabouji, de la Katia Kassaï? Nous demandons aussi que national numéro 2. National numéro 2 est le Malambujimai, Ngadajika, Kabinda, Manyema, Soki Bukavu, Tira Uganda. Soki va fumer, soki va dire, nous allons faire les. Est-ce que le business qui va. Soki va faire autorité wana, Tonga, Barabara, Oyo. Parce que, avec le gouvernement central, comme nous avions dit ici, la volonté. Et ça écrit notre destin. Papa, national est ma propre personne de vie. Non, non, je dis ceci. Moi, nous sommes en bagout amiqué. Moi, je dis ceci. Le destin que nous avions décrit ici est écrit. Mais donnons l'opportunité à ce peuple kassaïen de construire sa route. Ils se disent que non,
Mais papa, les investisseurs, ils vont se faire beaucoup d'argent. Je vous dis ceci, c'est parce qu'on n'a pas donné cette responsabilité et nous continuons. Vous comptez sur la bonne foi de qui? Non, ce n'est pas la bonne foi. Je ne dis pas. C'est qui donne à qui? Non, moi je dis ceci. Le chemin était comment? Qui est à l'autorité suprême aujourd'hui? Non, non, ça ne se fait pas comme ça, parce que ne comptez pas sur la bonne foi, parce que ça n'existe pas. Papa, ce n'est pas la présidence qui développe le pays. Permettez, ce que vous venez de donner là, moi je peux suggérer, pour ce qui concerne grand Kassai, Tabalay, ce qu'il faut faire, si vous pensez que stratégiquement, il faut développer la route des Kalamouji. Mais prenez ça comme projet comme Tabalari. Maintenant, si vous prenez le projet comme Tabalari, c'est jusqu'à quel niveau vous pouvez aller. Parce que quand vous faites le projet, vous avez des gens qui sont allés là-bas pour visiter cet endroit. Vous filmez dans l'état dans lequel la route est. Vous faites le spot. Et puis maintenant, vous commencez à faire le pillage autour de cette route-là. Après maintenant, on fait une pétition. Il faut s'inviter sur la table. N'attendez pas une invitation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Permettez, j'ai terminé mon idée. Quand vous faites le sport, vous cherchez maintenant à ce que vous puissiez maintenant faire ce projet pour le présenter devant le Parlement. Mais demandez la pétition. Avec plus de 100 000, avec 10 000 voix, vous aurez 15 minutes au Parlement. Présentez le projet au Parlement en tant qu'association des sociétés civiles. Mon cher, on a fait ça. C'est histoire là, vous pensez. Nous avons fait ça pour Chit Katende. Nous avons déplacé une équipe de la ville. C'est-à-dire qu'il seulement prendre les armes. Alors, une autre solution que je voulais proposer, à part la route de Chit Katende, à part National numéro 2, qui va nous relier jusqu'à chez vous là-bas, à Bandande et les autres. Il y a question. Je sais qu'on termine, vous me coupez toujours. L'aéroport international, on en a. Bientôt, nous demandons encore le port de Ndomba. Quel aéroport? On construit du Pemba, on a dit que c'est international. Nous demandons le port de Ndomba. L'aéroport de Canada, on répare avec les ciments. On va peut-être y arriver. Nous demandons encore le port de Ndomba. Vous avez suivi Oui, écoutez-moi d'abord. Ceci. Mais laissez-moi présenter d'abord ce que moi je présente et vous allez me contenir après. Vous allez me contenir après. Nous demandons encore le port de Ndomba. Parce que le port de Ndomba est dans le programme du gouvernement. On ne peut pas aller arracher tout aux mains du gouvernement pour que nous puissions le faire. Vous dites que Kalamabouji, non, vous allez arracher fait. Mais finalement, où est la responsabilité de l'État? Ok. Nous demandons le port de Ndomba. Pourquoi le port de Ndomba? Le port de Ndomba va nous relier avec l'océan, avec le fleuve Congo. Et avec le fleuve Congo, nous pouvons trafiquer avec nos frères d'Équateur, Kisangani, Kisinga, Akula, et nous allons. Cette histoire d'exode, ça je vous demande comme solution. Cette histoire d'exode au Katanga va se terminer. Les gens ne partent pas au Katanga pour aller travailler dans Jekamine. Il part pour se débrouiller. Et s'il peut se débrouiller chez soi, il ne faut plus descendre là-bas. Écoute, c'est la responsabilité du gouvernement. Et ne dites pas que vous, les Kassaïens, faites ça, ceci, non, pour que vos frères ne se déplacent pas. Nous avions demandé combien de fois. Mais cette fois-ci, nous tapons la mission. Non, mais combien de temps nous continuons à demander? Je vous ai parlé ici que vous avez demandé du courant pendant 20 ans. Please, nous avons besoin du courant jusqu'à ce que les gens viennent. Vous êtes des années chez nous, c'est fait. Jusqu'à ce que vous amenez encore les étrangers dans le monde. Non, écoutez la réponse du père. La responsabilité des gens. Nous avons trouvé le projet que le président de la République a adopté. Le projet du président de la République a adopté ce projet de 145 territoires. Ça, c'est déjà quelque chose de bon, parce qu'il a compris quelque chose. Que la solution du Congo ne sera pas à ce que demander tout au gouvernement central. Pendant que nous, dans les provinces, nous allons croiser. Nous demandons les maximum. Alors, nous avons demandé. Le minimum possible. Le président de la République shift un peu son mind en améliorant ce projet de 145 territoires, justement en donnant la responsabilité, comme a dit Kanan Poumbi, la responsabilité aux autochtones. Vous avez parlé des autochtones ici.
aux gens de se décontrer, de se dire que quelle est la chose la plus importante, nos priorités. Nos priorités ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Voici, nous avons cette responsabilité de le faire. Là où je ne suis pas d'accord avec Kanan Koudé en disant que non, il faut faire ceci. Nous sommes en train de le faire, nous sommes en train de crier par-ci, par-là, pour que le projet des 145 territoires ne soit pas un projet qui sera commandité à partir de Kinshasa, où il y a des divisions, où il y a des gens qui se battent. Les gens doivent d'abord se mettre d'accord, avoir des consensus dans tous les domaines. Mais jusque-là, c'est pas dit. J'ai l'impression que lui, chez eux, ils ont des problèmes de réunir les chefs coutumiers. C'est ça le problème de ce côté-là, de se reconnaître. Mais au Kassai, ce n'est pas le problème de réunir les gens. Au Kassai, nous avons le problème du courant et la rue et bord de Goma. Et si on doit vous donner cette responsabilité-là. Ils sont des étrangers. Demandez à Félix de vous donner cette responsabilité-là que non, le Kassai. C'est lui qui dirige, ce n'est pas celui qui développe le pays, ce n'est pas la présidente. Voilà, nous allons terminer. Nous allons terminer, s'il vous plaît. En tout cas, nous allons vous remercier et demander justement à nos téléspectateurs de suivre un peu un mot de maman. C'est vous qui va conclure un peu, on vous donne l'honneur de conclure un peu la réunion d'aujourd'hui, parce que ça continue, hein, ce n'est pas fini, mais madame va partir, elle sera notre voix à partir de Kinshasa. Mais nous félicitons les assises qui se tiennent au Katanga. Oui, elle va en parler, elle va en parler. Maman, est-ce que vous pouvez venir un peu? Merci beaucoup pour cette réunion, une conférence Tu peux jouer, ça. Parce que en nous donnant des idées, chacun peut nous donner ses idées, et ainsi de suite, ça nous aide. C'est-à-dire que même ceux qui sont des dirigeants suivent en ce moment tout ce que chacun a dit, ils pourront au moins avoir une idée pour pouvoir développer les Kassai. Parce que les Kassai, oui, c'est le problème de l'État, c'est aussi le problème des individus. Les individus doivent se mettre ensemble pour pouvoir développer cette étendue du Kassai. Et nous remercions aussi le Premier ministre pour cette initiative, parce que le tribalisme ne s'est pas arrêté seulement au Katanga, puisque le tribalisme entre même dans d'autres provinces contre les Kassaïens. C'est peut-être que lorsqu'on va résoudre les problèmes au Katanga, ce problème-là sera résolu aussi ailleurs. Parce que lorsque le problème du tribalisme a surgi avec les déclarations de la dame Monongo, ça suscitait encore cette ampleur-là, s'est répandue partout. C'est-à-dire, même à Kinshasa, vous entendez les gens parler de cette tribu-là, de Louba, comme si c'était d'autres personnes, comme si c'était des étrangers. Et pourtant, il faut régler ces problèmes-là à la racine. C'est-à-dire, régler les problèmes, d'où cela provient. Et je crois que ça va résoudre aussi ces problèmes de tribalisme ailleurs, du tribalisme ailleurs. Et merci à tout le monde d'avoir répondu positivement à cette rencontre. Merci à Papa Gilbert, merci à Papa l'animateur qui a... Germain Kaindo. Papa Germain Kaindo et moi-même, c'est Lise Moulanda, qui vient de Kinshasa, de Provoque Télévision. Je vous remercie de m'avoir reçu dans cette réunion et à la prochaine. Ok, la prochaine. Merci beaucoup. Au nom de la structure Association Tabar et Grand Kassai qui a organisé cette rencontre ici, nous vous remercions Papa Germain pour le bon cadre, pour l'organisation, et nous espérons que l'intégralité de ces assises ici seront retransmises sur vos chaînes, sans sur faute. Congo Web, pour que notre voix soit entendue. Batignon Chevayoka, quelle est la pensée de la diaspora kassayenne? Et là, on est au Sengi.
Donc nous remercions encore les assises qui se tiennent maintenant au Katanga, à Lubumbashi. Merci au Premier ministre Samal Konde. Merci au chef de l'État qui va clôturer les assises. Nous remercions aussi toutes les structures des Tabala et Grand Kassai à Kinshasa, Mjimaï, Kananga, Tsimbulu, partout, Kivu, Cape Town, Kisangani, Kikwiti, Grand Bandundu, là où toutes nos structures se retrouvent. Vraiment, nous sommes ensemble et nous vous saluons. Nous disons que la voix des Tabalaï doit se faire entendre. C'est maintenant ou jamais. Et au chef de l'État, qui est le fils des Kassai, nous disons aussi que ce que nous avions demandé, route Kalambambouji, route numéro 2, qui nous réunit avec l'Ouganda, bord de Ndomba, les aéroports, si cela n'est pas fait, donc ça veut dire que son mandat a échoué au Kassai. Son mandat a échoué au Kassai. On nous fait ce que l'État peut nous faire, le reste nous avons fait nous-mêmes. Merci beaucoup, on se revoit très prochainement. Merci. Merci bien.